Voilà, salut la famille, j'espère que vous allez bien. À l'heure où je vous fais cette vidéo, ça fait exactement 16 heures que la vidéo de déborder les Koumfa a été postée. Djeneba Djaba. Ils sont à 16 heures à 1 967 660 vues. Je fais la capture. Ils sont actuellement, à l'heure où je fais cette vidéo, à 1 967 660 vues. Donc, pratiquement 2 millions de vues en 16 heures. C'est incroyable et c'est du jamais vu. C'est ça, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. C'est la Côte d'Ivoire qui sait soutenir. Honnêtement, 2 millions de vues en 16 heures. C'est ça la force, c'est ça le soutien. 2 millions de vues en 16 heures. Mais, chez nous les Camerounais, en 16 heures, on a 2 millions d'insultes. Parce que les gens ont dit des choses avec lesquelles d'autres ne sont pas d'accord. C'est 2 millions d'insultes en 16 heures. Mes frères, il faut arrêter avec la sorcellerie. Il faut arrêter avec la sorcellerie. Moi, je le dis toujours, la Côte d'Ivoire est avancée dans le game des réseaux sociaux. La Côte d'Ivoire est avancée dans le game du showbiz par rapport au game camerounais. Et les Camerounais doivent apprendre, doivent s'éduquer par rapport à ce qui se passe dans les pays de l'Afrique de l'Ouest qui savent soutenir en fait. Les Camerounais doivent comprendre, les haters qui sont dans les commentaires, qui nous suivent là, ils doivent comprendre que votre haine que vous déversez sur nous, on s'en fout, ça glisse comme l'incuit, on s'en fout de cela. Mais quand vous venez déverser votre haine inutile, vos insultes là, ça glisse sur nous, ça ne nous dit absolument rien. Vous n'allez pas nous empêcher de parler et de dire ce que nous avons à dire, même si vous n'êtes pas d'accord avec cela. Je sais, vous allez encore venir toujours en commenter ici, vous allez dire, oh, tu apprends quoi, tu pervertis la jeunesse, c'est monté, c'est descendu. Comprenez une chose, c'est pas parce que vous dites cela en commentaire que ça va me faire changer mes contenus. Si vous n'êtes pas d'accord, si vous n'aimez pas ce que je fais, dégagez. Si vous m'insultez, ça glisse sur moi comme d'une cuille. Ceux qui sont habitués à se lever et partir signaler ma page, allez signaler autant que vous pouvez. Je sais, des personnes qui ont créé des groupes pour signaler ma page, alors que je ne vous ai jamais rien fait. Mais la haine inutile, la haine, la méchanceté. Je vais vous rappeler une chose à vous là, les haters qui sont en commentaire là. Je suis le créateur. Je suis le créateur des tests de fidélité. Les tests de fidélité aujourd'hui, c'est moi le créateur de cela. Vous m'avez toujours insulté depuis le départ. Je n'ai jamais répondu parce que ça ne me dit absolument rien. Mais les autres personnes qui sont dans les pays étrangers, qui ont copié le concept, que ce soit au Nigeria, en Côte d'Ivoire, en Europe, vous les Camerounais qui venez m'insulter, vous partez sur ces pages-là, vous rigolez et vous encouragez ce qu'ils font. Il faut arrêter la méchanceté gratuite. Ça ne paye pas. Et je vous dis sincèrement, il faut comprendre une chose. Plus vous m'insultez, plus je prends du poids. Vous voyez, je prends du poids. Je prends de l'épaisseur. C'est très important. Donc, arrêtez un peu de détester les gens inutilement et de déverser vos haines gratuites là. Ça n'avance pas l'Afrique. L'Afrique n'a pas besoin de ça. On a besoin d'amour. Distiller l'amour, donner l'amour. Les contenus concrets, c'est pour divertir. Également, ça nous permet de gagner quelque chose et de pouvoir vivre. N'en déplaise aux jaloux qui sont là, qui vont écrire en commentaire, Bertrand va chercher le travail. Je rappelle une chose. Le travail que je fais, ça nourrit des gens. Il y a des monteurs, il y a des réalisateurs qui sont là, qui sont payés pour cela. Donc, à un moment donné, il faut arrêter avec la sorcellerie à haute échelle. C'est vous gaspillez votre énergie pour rien. Comme j'ai dit, je l'ai dit dans ma précédente vidéo où j'ai parlé de Zach Moïkassa, j'ai eu 200 commentaires ou pratiquement 160 commentaires étaient en train de m'insulter et sont partis signaler ma page. Allez, continuez à faire ce que vous savez faire le mieux. Si ça vous rapporte quelque chose dans votre vie, tant mieux pour vous. Mais rassurez-vous, vous n'allez pas nous empêcher de dire ce que nous pensons, honnêtement. Et moi, je le redis, ce sont des petites personnes qui s'attaquent au physique des autres. Les grandes personnes s'attaquent aux idées. Et vous tous qui vous attaquez au physique de Zach Moïkassa, vous ne valez pas la peine. Vous ne valez pas la peine du tout. Vous êtes des petites personnes comme ça. Je continue. Vous avez dit que je n'ai pas parlé du cas Longuet. Vous me faites rire souvent ici en commentaire. J'ai décrié plusieurs problèmes dans la société ici. Par exemple, le problème des routes.
C'est toujours vous qui êtes venu m'insulter en commentaire. Longuet, je suis d'accord que personne n'aimerait être à sa place. Je ne souhaite à personne ce qui est arrivé à l'artiste engagé Longuet. Mais je n'ai vu personne demander qu'une enquête soit menée. Je vois souvent seulement les gens dire que Longuet, courage pour ta famille et pour toi, c'est mon destin. Moi, je demande qu'une enquête soit ouverte et que les responsables de cela soient punis. Vous savez, dans tout système, il y a ce qu'on appelle les brebis galeuses. Et moi, je demande à ceux qui nous gouvernent d'ouvrir une enquête pour que ceux qui sont à l'auteur de cela répondent de leurs actes devant la justice. Moi, je le demande. Moi, Bertrand M. l'influenceur, je demande cela. Alors, si vous avez tellement mal et que vous savez revendiquer, levez-vous et revendiquez. Levez-vous et demandez à la justice que justice soit faite par rapport à ce qui est arrivé à Longuet. Des mauviettes, vous allez rester derrière vos claviers et nous insulter en commentaire, alors que vous êtes incapable de vous mobiliser pour que justice soit faite pour quelque chose dont personne n'aimerait que ça lui arrive. Si vous êtes des hommes, arrêtez avec vos mauvais commentaires ou vous poussez des gens à détester les autres pour rien. Levez-vous, demandez que justice soit faite afin que ce qui arrive à Longuet n'arrive plus à personne d'autre. Parce qu'il y a la vidéo. Je ne parle pas, c'est pas moi qui ai sorti la vidéo. Moi, je demande que justice soit faite et qu'une enquête soit ouverte. Arrêtez un peu souvent avec la sorcellerie et la méchanceté gratuite. Vous, j'ai dit et je répète, les haters les plus nombreux en Afrique francophone viennent du Cameroun. Et ça, c'est vrai. Parce que insulter, dénigrer, c'est votre carburant. Insulter, dénigrer, c'est votre carburant. Ce n'est pas vous qui faites. Je ne sais pas si c'est la souffrance qu'on vous a, qui vous a traumatisé comme ça. Ou vous voulez voir que tous ceux qui sont autour de vous souffrent. Vous allez dire que vous aimez vos artistes et que vous aimez vos influenceurs, mais ça ne vous fait pas plaisir de voir que cela émerge et que cela pèse. Ça vous fait mal. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi tant de haine? Pourquoi tant de méchanceté? Comprenez que vous ne pouvez pas arrêter le vent. Vous ne pouvez pas arrêter le vent. Chacun son étoile et vous ne pouvez pas arrêter cela avec votre haine, votre méchanceté. On a besoin d'amour. Donnez l'amour et les contenus que nous créons. Ce n'est pas vous qui nous avez inspirés pour créer cela. Notre inspiration, c'est nous qui sommes inspirés. Et maintenant, ça nous plaît que vous aimez ce que nous faisons. Si vous n'aimez pas, circulez. Circulez. Je demande juste à ceux qui aiment ce que je fais de soutenir. Ceux qui n'aiment pas, circulez. Allez sur d'autres pages. Si vous voulez des concepts éducatifs comme vous voulez, ou bien des concepts des gens qui vous vendent le rêve, allez sur la page de Coder Nubi. S'il va vous vendre le rêve, allez sur la page de Philippe Simon. Il va vous vendre le rêve. Il va vous éduquer. Allez sur les pages éducatives. Vous n'allez jamais me voir, je vais me mettre ici pour répondre à une personne spécifique à cause de sa méchanceté et sa haine gratuite. Non, moi je parle globalement. Tous ceux qui me détestent là, tous ceux qui n'aiment pas ce que je fais, désabonnez-vous, dégagez de ma page. Dégagez, allez loin, allez au diable, allez en brousse. Allez en brousse, je ne vous force pas à être ici. Bloquez même ma page si c'est que vous ne voulez plus recevoir mes notifications. Donc arrêtez un peu avec la sorcellerie et la méchanceté gratuite. Moi, je tire un coup de chapeau aux Ivoiriens pour le soutien qu'ils ont montré à l'artiste de Bordeaux, le Gonfa. Nous attendons toujours le remix du son Viviane. Et il faut donner la force à cela pour montrer que les Camerounais ne savent pas seulement faire la malbouche et faire des combats inutiles, qu'ils savent soutenir, qu'ils savent se serrer les coudes. Donc arrêtez de dire que vous pensez que vous êtes Camerounais plus que les qui. Vous êtes Camerounais plus que les qui. Vous n'êtes pas Camerounais plus que nous. Jamais. Pour preuve, vous n'avez jamais mené un combat et on a vu. Vous n'avez jamais pris le devant. Ceux qui sont toujours en train de distiller la haine en commentaire. Vous n'avez jamais pris le devant d'aucun combat, on a vu. Donc arrêtez un peu la sorcellerie et la démagogie inutile. Arrêtez un peu cela. Si on ne répond pas souvent, c'est pas parce qu'on n'a pas quoi dire. Les idiots, les ignares, les gens qui n'ont rien, les gens qui ont la brouille dans le cerveau vont venir en commentaire pour insulter. Ils vont venir en commentaire pour dire « on parle sur la page ». Je vous rappelle, si vous voyez les tests de fidélité partout, c'est mon inspiration. C'est moi qui suis venu avec. C'est le phénomène. L'influenceur qui influence même ceux qui ne voient pas. C'est à cause de moi que toi, tu surveilles souvent le téléphone de ta go ou bien de ton gars. C'est à cause de moi. C'est moi qui suis à l'auteur de cela. Les cancres vont venir raconter les idioties en commentaire. Je vous ai dit, demandez que justice soit faite pour ce qui arrive à Longuet.